voilà, on vient de terminer l'enquête donc dans la cave. Une enquête vraiment pesante. On a eu beaucoup, on a eu des résultats qu'on a donné à l'oreille également sur les PVE. Donc c'est très bien pour nous. On va pouvoir avoir des messages, je l'espère. Mais du coup, on vient d'y retourner. Donc on était retourné les deux garçons où on a eu des résultats et deux filles où elles ont eu des résultats, elles étaient mal à l'aise. Excusez-moi pour le bruit, il y a les camions derrière. Maintenant, on y est retourné tous les quatre. On nous a demandé très clairement de partir car on les dérangeait. Donc on a dû couper court à l'enquête et s'arrêter. Donc maintenant, on va rentrer et on va aller analyser les rushs. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. L'enquête s'est terminée, mais avant vraiment de la clôturer, j'aimerais vous montrer une petite séquence de vidéo. Écoutez bien, on va pouvoir entendre quelque chose chipoter à la caméra. Alors que je vous mettrai juste après la même partie et vous allez pouvoir voir que sur le trépied où se trouve la caméra, il n'y a personne qui chipote au micro de cette caméra. Ensuite, pour conclure avec la polémique des orbes, je vous propose de voir trois vidéos qui montreront bien la différence entre la poussière, les insectes et les orbes. Voilà, à tout de suite pour la suite de nos enquêtes. Le chien.
histoire de Bob nous a énormément bouleversés. C'est avec ces quelques images et leurs visages de chacun de ces martyrs que nous allons quitter ce lieu, bien entendu, et nous serons vraiment satisfaits des résultats que nous avons eus, dont les PVE, qui nous ont donné des réponses par des oui et surtout par un non de la famille Lambert. Je tiens à les remercier et avant de continuer notre aventure, je vous présente leur visage en souvenir, gardez-les en mémoire pour eux. Le grand sommeil dit en fait surtout pas si je vois déjà le premier oiseau d'un après-guerre sur un fil de fer. Au cœur des années. Now that I know your ends, that I guess my sans les cafés, les gares, comment faire pour se retrouver demain? Tu je serai prêt. Hey, don't you worry now. Si je vois déjà le premier oiseau d'un après-guerre, soon there'll be a pair, lequel restera m'en veux surtout pas. Je vous propose maintenant de faire un bond en arrière à ma toute première enquête qui s'est déroulée au mois de février 2015. Sur cette première enquête, je venais de recevoir ma spirit box et c'est avec une grande nervosité que nous allons mener et faire ce premier test. Nous sommes alors équipés simplement d'une simple caméra et d'un petit phare qui nous éclaire à peine à 3 mètres. On n'y voit rien. Nous avons des petits rires, mais plutôt nerveux. Pourquoi cette nervosité? Tout simplement parce que ce bois est chargé d'histoire. En effet, le 20 décembre 1989, le jeune pilote de chasse, le lieutenant Peter de Meug, fête son anniversaire. Il se réjouit d'être le soir pour fêter cela. Mais avant tout, à 10h40, il est en train de faire ses manœuvres habituelles. C'est sur le retour de ses manœuvres, prêt à atterrir, que son avion va avoir des problèmes. Ne sachant pas contrôler son avion, il va éjecter ses deux réservoirs et manœuvrer le mieux qu'il puisse
pour faire tomber son avion aux olives non habitées, ainsi éviter un village. Il va malheureusement s'éjecter au dernier moment. Trop tard, son parachute ne s'ouvrira pas et le jeune garçon se tuera le jour de son anniversaire. Il avait 27 ans. Ce jeune pilote est devenu un héros national et c'est sur ce lieu-même que je vous invite à suivre notre enquête. Énervé parce que on est ici et franchement il y a cette drôle d'impression, on n'y voit rien. Enfin ici on a un phare, d'accord, donc en fait on avait deux caméras, il y en a une qu'on a voulu utiliser qui ne va pas, donc elle a certainement un problème technique. Alors vous allez l'entendre, voilà, un avion va passer. Évidemment on est sur la ligne de la piste d'atterrissage de l'aéroport de Liège. J'espère que vous m'entendez. Voilà. Donc je vois ouais, encore une lampe, donc il y a assez bien d'avions qui vont encore passer. Donc en fait, voilà, je vous disais que impressionnant, nous sommes trois, on se demande comment il y en a qui peuvent faire ça. Donc je vous ai pas dit le nom du pilote en fait, pour voir si par la spirit box il va nous le dire lui-même. S'il nous le dit, eh bien on vous montrera son nom ou son prénom, enfin les deux, s'il a intervenu et s'il est ici. Voilà. Donc en fait, j'aimerais bien que ce soit plus haut. Même deux qui vont passer, on n'a pas choisi bonjour en fait pour faire pas okay. Enfin voilà, on va essayer peut-être en même temps les avions vont appeler, enfin ou vont peut-être attirer le pilote. Donc ici voilà, je vais demander si tu m'entends. On est là, on est venu en paix, en ami. On est venu voir si tu étais présent ici sur le lieu de ton accident. En fait. Donc j'ai un appareil ici déposé sur ton monument qui va nous permettre en fait de communiquer avec toi. Tu peux utiliser l'énergie des batteries ou la nôtre ou celle de l'appareil pour pouvoir communiquer avec nous. Donc je vais laisser passer cet avion. Et j'aimerais bien que tu nous donnes ton prénom pour savoir si c'est bien toi qui es ici. Et si tu as des messages à faire passer ou quoi, bien on est là pour ça. Je vais laisser passer l'avion. Si tu sais t'approcher, pour pouvoir entendre, je vais mettre un peu plus fort. Voilà, donc si tu es présent avec nous, pourrais-tu nous dire ton prénom, s'il te plaît? Je vais aussi allumer un appareil qui va nous permettre d'enregistrer également des voix. Voilà. Je lance et il a lancé quand même. Voilà. Voilà, il y a quelqu'un avec nous. Si oui, pourriez-vous nous donner votre prénom, s'il vous plaît?
rajeunit plus fort. Y'a quelqu'un qui est avec nous? Je m'adresse au pilote qui se situe ici. Si vous êtes là, pourriez-vous vous manifester, s'il vous plaît? Quel est votre prénom? Je ne sais pas si vous venez de la tête, on a dit pilote en fait. Comme vous pouvez le constater, nous sommes stressés. Il faut bien se dire que nous sommes seuls dans ce bois avec un petit phare et qu'il y dégage de ce bois une drôle d'atmosphère et une drôle d'ambiance. Et c'est avec le bruit de la spirit box qui est assez stressante que nous allons avoir ces trois premières réactions. À vous de juger. Je m'adresse au pilote qui se situe ici. Si vous êtes là, pourriez-vous vous manifester, s'il vous plaît? Quel est votre prénom? Je ne sais pas si vous venez de la tête, on a dit pilote en fait. Je m'adresse au pilote. Vous situez ici, si vous êtes là, pourriez-vous vous manifester, s'il vous plaît? Quel est votre prénom? Je ne sais pas si vous venez de la tête, on a dit pilote en fait. Vous êtes le pilote? Quel est votre prénom? Pourrais-je savoir votre prénom, s'il vous plaît? Oui, le prénom du pilote. Pouvez-vous répéter? Il y a quelqu'un? C'est ça bien, on n'a pas choisi de venir. Y a-t-il une entité ou un esprit qui est avec nous là, à côté de nous? Si oui, pourriez-vous nous... Il y a du coup. Oui, hein. Si oui, pourriez-vous me donner un nom ou un prénom, s'il vous plaît? Si oui, pourriez-vous me donner un nom ou un prénom, s'il vous plaît? Il a dit de Nike. Il aurait dit quoi? De Nike. Nike, je sais pas. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Si oui, pourriez-vous nous dire votre prénom, s'il vous plaît? Ça dit encore de Nike. En anglais? Ben...
aviateur. Pouvez-vous répéter? Pouvez-vous répéter? Pouvez-vous répéter? C'est comment son nom attend, hein? Gemmaï. Ah, c'est possible. Gemmaï. Il a dit Gemmaï, hein? Ah, c'est possible. Gemmaï. Il a dit Gemmaï, hein? Ah, c'est possible. Gemmaï. Il a dit Gemmaï, hein? Vous avez bien dit Gemmaï? C'est vous qui vous êtes là avec nous? Vous nous avez donné votre nom de famille, mais on pourrait avoir votre prénom, s'il vous plaît? Suite à ces réponses vraiment surprenantes, un instant, j'arrive, vous allez voir les images qui suivent. Dites-vous bien que nous sommes à l'époque du PIL et que ce talk-it se fait fin février, début mars. Ce que vous allez voir ne peut pas être confondu avec un pissolivolant ou un insecte, mais... cela reste surprenant étant donné que ça va arriver juste après ce que vous venez d'entendre à la Spirit Box, le « Un instant, j'arrive ». Regardez bien ces images, à vous de juger. Pour être sûr que le micro capte... Comme vous pouvez le constater, cette lueur blanche, qu'on ne peut pas très bien définir, mais qui n'est certainement pas un insecte, est hésitante un moment et puis vient à passer entre moi et la caméra. Ce qui est plus surprenant, c'est que Valérie qui tient la caméra ne sait pas pour quelle raison elle va se tourner à droite au moment où sur la Spirit Box on va entendre quelques instants avant un instant j'arrive au pas. Excusez-moi, je suis avion, je sais que c'était votre passion. Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes? Donc en fait, je ne sais pas si vous l'avez entendu, je crois que les PGE l'auront enregistré. Il y a une voix de Spirit Box qui nous a donné le nom du pilote qu'on va filmer après pour vous le montrer. Mais je voudrais bien avoir son prénom en fait. Donc vous êtes bien le pilote de Malte alors. Je pourrais avoir votre prénom, s'il vous plaît.
En fait, c'est une femme qui dit toujours le nom du pilote. Benoît. Oui. Quel est le prénom du... Quel est le prénom du lieutenant? J'aimerais entendre le prénom du lieutenant, s'il vous plaît, le mec. Je voudrais l'entendre. En fait, pouvez-vous répéter? En fait, j'ai jamais dit de prénom pour être sûr qu'il le dise. Je voulais être sûr que ça soit à lui. Parce que la personne qui dit de mec, c'est une voix féminine. Oui. En fait. Et évidemment, le lieutenant, c'était un homme. Lieutenant, est-ce que vous êtes avec nous? Si oui, pourriez-vous nous donner votre prénom, s'il vous plaît? Là, il doit dire le prénom. Une voix d'homme. Il vient de le dire. Voilà. Il vient de redire, c'est une voix d'homme. Tu l'as entendu, Mike? À mon avis, sur les PVE, on l'entendra. Les analyses. Avez-vous quelque chose à dire? Avez-vous un message? Je faisais un balayage dans l'autre sens, peut-être. Je vais changer le sens du balayage. Voilà. Avez-vous un message pour une personne ou pour nous ou pour tout le monde en général? Est-ce que vous êtes bien là où est-ce que vous êtes? En fait, avec les avions, je comprends pas bien. J'espère que le PVE, ça va aller. C'est une question, c'est... Oui, mais... On ne comprend pas, après ça va tellement vite. C'est pas arrivé la vitesse, tu vois. C'est pas arrivé la vitesse. Pour le balayage, ok, mais en fait, ça change bien. Il n'y a qu'avec la TVO qu'on va pouvoir le mettre au ralenti et qu'on croit que c'est du 10, en fait. Lieutenant, merci beaucoup de nous avoir répondu. Vous nous avez certainement laissé un message, on va pouvoir l'entendre par après. Parce que, avec ces appareils-là, on peut entendre et ralentir en fait les enregistrements et entendre plus clairement vos écrits. Plus clairement vos écrits. Plus clairement vos écrits. Vos écrits que j'ai dit. Fais-vous dire. Avant que j'arrête cet appareil, avez-vous un message en général ou voulez-vous nous dire quelque chose? Je vous écoute. Thank you.
Pourriez-vous nous dire un des prénoms de un de nous trois en fait? Sacré avion. J'aime pas. Je comprends pas. C'est dommage parce que nous allons, on n'entend pas. On aurait dû venir samedi. Ils vont aussi le samedi, je sais pas. Mais là apparemment. En fait, l'aéroport de Liège est un aéroport d'affrétage, donc les avions qui viennent de loin atterrissent la nuit, en fait. On aurait dû le faire à la limite samedi ou à dimanche, là où ils ne volent pas. Pourriez-vous nous donner des prénoms de 1, 2, 3 ? J'ai bien entendu. Sauf que j'ai entendu Val. Oui. Val, Mick et... Pourriez-vous me donner... me dire mon prénom, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir répondu. Lieutenant, si vous êtes ici, je vous invite à partir là où est-ce que vous devez aller. Soyez en paix. Merci beaucoup de nous avoir répondu. Et il dit merci. Et merci beaucoup de nous avoir répondu. Et il dit merci. Et merci beaucoup de nous avoir répondu. Et il dit merci. Et ben voilà. C'est triste ce qui vous est arrivé, mais nous savons que vous protégez tous les gens que vous avez aimés, que vous aimez encore. Au revoir et merci. Hein. Merci à vous. Merci, on l'a bien entendu. Hein. Ouais, le merci, on l'a super bien entendu. C'est dommage pour les avions. Donc voilà, en fait... Je sais pas à vous, mais je me sens plus rassuré, parce qu'au début d'enquête comme ça, elle s'est retrouvée dans le bois. Là, franchement, je me demande comment ils font les traqueurs de fantômes, qui sont seuls comme ça. Alors que moi, en tant que médium, je devrais pas avoir peur, mais en fait, ce que je crains, c'est ce noir, parce qu'en fait, on ne voit rien. Et puis les animaux, et voilà quoi. Hein. Voilà, c'est avec ce contact surprenant avec le lieutenant Peter de Meuk que se conclut cette enquête avec la Spirit Box. Mais l'avez-vous remarqué? Regardez bien, je vais vous remontrer les images. Nous allons pouvoir voir passer une brume à la fin donc, de cette conversation avec la Spirit Box. Cette brume, on pourrait dire éventuellement que c'est... notre vapeur quand on parle, mais si vous remarquez bien dans les images précédentes, quand on parle, il n'y a pas de vapeur qui sort de notre bouche. Nous sommes au mois de février, mars, et l'histoire de Gus avec sa brume venait de passer, ce qui a fait grand bruit. Du coup, je n'ose pas dire que cette brume et la même chose sous le départ d'un esprit qui s'en va, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire, mais dites-vous bien que pendant l'enquête avec la Spirit Box, nous voyons passer cette brume autour de nous de temps en temps, mais n'avait pas été capturée à la caméra. C'est que dans les analyses des rushs qu'on va pouvoir voir qu'on a capté cette fameuse brume qui part au moment que nous disons au revoir. À vous de juger. Je suis vraiment satisfait. Alors, je vais inviter maintenant ma collaboratrice
à venir maintenant filmer la photo du lieutenant et elle va filmer son nom qui va prouver en fait que la Spirit Box, eh bien nous avons bien eu le pilote Peter de Meuk. Merci beaucoup, hein. Merci à vous. Voilà, alors maintenant je vais vous inviter à se rendre tout près de la petite maison, maintenant ici plus bas. Et ben voilà, on va descendre, on y va, va. Ouais, bah oui. Là, je vois que l'étage. Bah là, il vient de se faire bouffer et tout, quoi. Ben, si c'est fait bouffer, on aura certainement des PVE. Donc, ben, celle-là, c'est plus bon. À ne pas faire, désolé. Mais en fait, je suis un peu perturbé parce que je suis ému d'avoir eu le lieutenant. On voit vraiment bien, d'avoir eu le lieutenant. Bon, alors, l'appareil RPG, il est fermé. Ok, okay, elle est fermée, Marie. Je peux couper. Ouais. Ok. En fait, je suis ému de l'avoir eu et. Et le merci. Oui, le merci était vraiment clair. Et je sais pas, moi c'était un jeune pilote. Et vraiment, dans le merci, on a entendu que c'était quelqu'un de jeune. Quelqu'un de jeune, et voilà quoi. Donc là, on est en train de se rendre. Enfin, si tu veux, je marche un peu devant, comme ça, on me voit de dos là. J'ai pas envie de faire. Comment ? De comment ? Oui. Voilà, on va aller près de cette fameuse maison alors que je vous ai expliqué tout à l'heure. L'avez-vous entendu ? L'avez-vous remarqué ? Regardez bien les images qui suivent. Nous sommes en train de descendre le chemin et Valérie, pour une raison ou l'autre, on ne sait pas, qui tient la caméra, va se tourner vers le bois et au même moment qu'elle va tourner, on va entendre comme une déflagration, comme un coup de fusil de chasse, alors qu'au moment même, moi, qui suis en train de parler avec Michael, on ne fait pas attention. Valérie, qui est beaucoup plus sensible, apparemment, a entendu le coup de feu. Les images qui vont suivre, vous allez pouvoir entendre Valérie qui murmure quelque chose à Michael, qu'on ne comprend pas. Elle me dira par après, j'ai entendu un coup de feu. Écoutez, à vous de juger. C'est pas. Moi, c'était un jeune pilote. Et vraiment, dans le merci, on a entendu que c'était quelqu'un de jeune. Quelqu'un de jeune, et voilà quoi. Donc là, on est en train de se rendre. Enfin, si tu veux, je marche. C'est pas. Moi, c'était un jeune pilote. Et vraiment, dans le merci, on a entendu que c'était quelqu'un de jeune. Quelqu'un de jeune, et voilà quoi. Donc là, on est en train de se rendre. Enfin, si tu veux, je marche un peu devant, comme ça, on me voit de dos là. J'ai pas envie de faire. Comment ? De comment ? Oui. Voilà, on va aller près de cette fameuse maison alors que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ce qui s'est passé, enfin, d'après les anciens. Oui, en effet. Nous redescendons maintenant sur cette petite maison qui est abandonnée. Depuis que je suis tout petit, je l'ai connue toujours abandonnée, donc je ne l'ai jamais connue alors que j'ai 50 ans, je ne l'ai jamais connue habitée. On y allait jouer en étant petit, mais on avait toujours peur d'être dans cette maison et il y avait une drôle d'atmosphère. Ici, nous allons remarquer, dans la pré-enquête que j'avais faite, j'ai remarqué que la maison a été remise à neuf, elle n'est toujours pas habitée.
vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir rentrer de la cour ou de la maison comme avant. Par contre, nous allons faire une séance de spirit box devant la maison et cela va être vraiment étonnant. Suivez-nous avec la suite de cette enquête. Avant de vous montrer l'enquête, il serait bien que je vous remontre la pré-enquête que j'avais fait à l'époque. Donc c'était au tout début, j'étais pas encore en équipe, etc. J'étais parti seul filmer cette maison et je vous invite donc à revoir cette petite pré-enquête qui a une petite surprise. À un moment, vous allez voir, il y a un arbre creux. Dites-vous bien qu'il y a un an, je ne faisais pas d'enquête historique sur les lieux. Mais quand j'ai filmé cet arbre-là, dites-vous bien que après, quelques mois après même, on va dire 6-7 mois, j'ai compris pourquoi. J'avais l'impression de ne pas être seul. Parce que comme je vous l'ai dit, l'histoire de cet endroit est vraiment chargée. Et vous verrez par après, dans l'enquête de la crypte, le pourquoi. Mais en attendant, je vous laisse découvrir l'après-enquête que j'avais fait à l'époque. Alors, nous arrivons, comme vous voyez, à une petite fermette qui se trouve au fond de ce chemin. Donc, voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Ça fait des années que je ne suis plus venu, en fait. Hein, donc, voilà, apparemment... Voilà. Donc en fait, voilà. J'ai connu cette petite fermette depuis tout petit. Elle était abandonnée. Apparemment, voilà, ils l'ont restaurée. Et une fois avec les jeunes, ils étaient venus, on était venus la nuit visiter. Elle était encore vide et abandonnée. Voilà. Ici par contre, ce bâtiment, il est toujours dans un sale état. Et voilà, donc les jeunes, hein, je dis enfants, mais les jeunes de entre 18 et 22 ans, ils sont rentrés avec leur iPhone pour éclairer et tout ça. Et ils ont vraiment paniqué, ils étaient une dizaine à rentrer dedans. Ils ont commencé à crier, je ne sais pas pourquoi. Je suis venu, ils sortaient, ils étaient tout paniqués, ils ont dit qu'ils avaient vu des ombres, des cris, ils avaient entendu des cris, quelqu'un avait même bousculé en fait des jeunes. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi elle a été abandonnée pratiquement 40 ans, parce que au moins pendant 40 ans, j'ai toujours connu cette petite fermette abandonnée. Alors, les gens du village... nous ont raconté, parce qu'on posait la question pourquoi cette petite fermette était abandonnée. Les anciens du village ne voulaient pas nous expliquer. Et apparemment, il y a une soixantaine d'années d'ici, un père avait massacré toute sa famille et s'était après suicidé dans ce champ. Alors, d'une façon un peu bizarre, quoi. Il s'est mis à genoux avec une pierre dans un sac et il s'est tapé plusieurs fois la pierre dans le crâne, quoi. Et il a agonisé dans ce champ-ci. Il a agonisé et on l'a retrouvé mort le lendemain. Et on a retrouvé la famille apparemment massacrée dans ce bâtiment. Alors, je continue mon petit chemin parce que j'étais beaucoup plus jeune... Il y avait un vieil arbre ici, je ne sais pas, il était ici, mais je ne sais pas s'il existe encore. C'est un chêne, et je me rappelle bien que ce chêne, eh bien, était un peu spécial, parce qu'en fait, il était creux de l'intérieur, et on pouvait y passer, donc d'en bas, on pouvait grimper au-dessus, dans le tronc. Bon, maintenant, j'étais un peu... Je suis adulte, donc je suis sûr que je ne passerai plus. Mais bon, et cet arbre était très vieux. Et je ne sais pas pourquoi j'explique cette histoire de cet arbre.
Mais voilà, il était vu, on pouvait y entrer par l'intérieur et tout ça. Donc on venait souvent jouer. Et puis comme tous les gosses, quoi, quand il commençait à faire noir, ah ben, encore une fois, on ressentait toujours l'impression de ne pas être seul sur ce site. Voilà. Et à vrai dire, voilà, je suis seul à faire. Et voilà, j'ai déjà des frissons qui me parcourent alors qu'on est en plein jour. Et voilà, alors comme je vous l'ai expliqué, j'ai le don de ressentir les présences. Et je ne vous cache pas que là, je le ressens. Alors, en fait, je ne vois plus, je crois. En fait, je crois que cet arbre n'existe plus. Mais en fait, le chemin que j'emprunte, c'est un petit chemin qui contourne toute la propriété. Voilà. Alors, est-ce que c'est celui-ci ? Je ne sais pas. Ah oui, voilà, en effet. Non, il existe toujours. Donc voilà, je vais vous montrer sa chaîne. Voilà. Très vieux chaîne. Voilà. Alors, là, je suis content, il existe toujours. Alors voilà. Donc en fait, je vais reculer. Voilà. Donc en fait, nous rentrions par le bas. Et on montait à l'intérieur jusqu'au-dessus. Voilà. Alors, je vais essayer de voir si on voit quelque chose. Voilà. Donc l'intérieur. Et voilà. On peut sortir par le dessus. Je vous dis pas. J'ai une drôle de sensation. C'est vraiment bizarre. Enfin, voilà quoi. Je suis content. Il existe toujours. Ah, ça me fait bizarre. Ça fait des années que j'étais plus venu. Et voilà. Enfin, voilà. La partie que je vous fais visiter, là, je vais reprendre. Je vais remonter le chemin en fait pour retourner à ma voiture parce que je vais prendre la voiture pour pas marcher un kilomètre et contourner la propriété. Voilà. Donc je vais vous retrouver. Malheureusement, moi je suis pas avec les vidéos et tout ça, faire des montages et tout ça, moi je connais rien là-dedans. Je vais éventuellement. Si quelqu'un s'y connaît dans les techniques de montage vidéo et tout ça, ben, s'il peut me donner des petits conseils, ce serait pas mal. Voilà. Franchement, on est en plein jour. J'ai l'impression qu'on me suit. Alors, c'est peut-être psychologique, je ne sais pas. Mais en fait, c'est comme quand j'étais petit, je ressens des trucs très négatifs. Voilà. Ben écoutez, je vais faire donc cette vidéo en deux parties parce que moi je ne sais pas comment on fait toute une vidéo qui dure une heure. Vous avez pu le voir avec les deux vidéos d'hier sur la présentation et le pourquoi et comment je suis devenu, que je suis médium et devenu médium. Hein, parce que il faut quand même avoir les outils pour développer son don. Voilà, et bien. Je vous donne. Je suis essoufflé, ça monte. Je vous donne rendez-vous tout de suite. Et ben voilà, deuxième partie de l'enquête de nuit. Nous arrivons à cette fameuse maison, toujours avec les avions. Alors évidemment, la maison, vous allez le voir. En fait, à l'époque, elle était abandonnée, comme j'ai dit, mais ils l'ont restaurée, donc elle est en travaux. Maintenant, il y a une barrière, un cadenas, donc propriété privée. Malheureusement, on ne va pas pouvoir y entrer dedans. Par contre, ce qu'on va essayer de faire, c'est une petite séance comme ça de 5 minutes de Spirit Box, encore une fois. Donc, j'invite Val à aller plus filmer la maison et la partie. Abandonné, comme ça j'installe moi la Spirit Box. Sans la lampe, on n'y verrait rien. Oui, parce qu'en fait, la première caméra nous a lâché, donc on ne s'est pas filmé dans le noir. Ici, on a une caméra normale.
avec un phare. Voilà. Et alors, il y a la partie non restaurée qui est dans l'état comme la maison était, la maison principale était. Même un peu plus arrangée que ça. Voilà. Donc, Le régisseur, il ne veut plus aller non plus. De quoi, Mickaël ? Il ne veut plus aller non plus, lui. Mais j'ai plus de pelle. Off. Il est off ? Ouais, il veut pas. Il veut pas s'allumer ? Ouais. T'en montres ? Valérie, ici, ça veut bien ? Voilà. Excusez-nous, parce que nous sommes des amateurs, donc... Ah ouais ? Oui. Je vous assure, on a mis des toutes nouvelles piles. Juste avant de commencer, la séance au monument du lieutenant a bouffé toutes les piles. Donc ceux qui connaissent, ceux qui traquent les traqueurs, ils savent, on comprend pourquoi, parce que on a eu des réponses. Les deux enregistreurs vivent. Ouais. Donc garde celui-ci, on va utiliser que. J'ai remis des nouvelles piles en fait dans celui-ci. Voilà. Hein, vous m'avez vu les mettre, donc je vais l'allumer, voilà, et en même temps je vais allumer la spirit box que je vais déposer sur ma valise. Donc je vais allumer, donc j'invite les esprits qui sont ici, qui sont présents avec nous. J'ai un appareil ici à terre. Quand je l'allume, vous allez pouvoir utiliser notre énergie ou celle des appareils pour pouvoir communiquer avec nous. Ça va permettre de vous entendre, si vous nous parlez, ça va permettre de vous entendre et on va pouvoir avoir une conversation. D'accord ? Donc je rappelle ce qui s'est passé ici. Apparemment, il paraîtrait qu'il y a une soixantaine d'années, il y avait une famille. Et le père donc a tué toute la famille, et puis il a été dans le champ ici en face. Il a mis une pierre dans un sac et il s'est tapé plusieurs fois la pierre à la tête, et on l'a retrouvé. Il a certainement agonisé la nuit, on l'a retrouvé mort le lendemain, ainsi que la famille. Voilà, si vous m'avez entendu, en fait je viens d'expliquer. Voilà. On va savoir si c'est histoire d'il y a 60 ans, si c'est vrai ou pas. Donc je vous invite à communiquer avec nous. Je vais allumer cet appareil. Là. Alors n'ayez crainte, nous sommes venus en paix. Nous sommes venus ici pour apprendre à vous connaître et savoir comment se passe votre temps, ou est-ce que vous avez un message pour nous. Donc je vais régler le balayage à droite, l'autre, je vais le mettre à 150, à 150 et 150, je vais le mettre en 100 et 150, je le mets plus fort, il y a un avion qui passe encore. Comme Mickaël, il enregistre. Ouais. Mais si tu veux, tu peux le déposer comme ça. Voilà. On va le mettre ici. Voilà. Y a-t-il quelqu'un avec nous ? Je vais le mettre fort. Hein. Tu poses que la caméra va capter les réponses. Allez-y. Ok. Y a-t-il quelqu'un avec nous ? Si oui, pourriez-vous nous donner votre nom de famille, votre prénom ? Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît ? Pourriez-vous nous donner votre prénom, s'il vous plaît ? Votre nom de famille ? Thank you.
Avez-vous un message à nous faire... Avez-vous un message à nous faire passer? Excusez-moi. J'ai toujours l'impression d'entendre la même chose. Avez-vous un message ou quelque chose à nous dire, s'il vous plaît? Monsieur ici qui est coupable de ce qui s'est passé. Avez-vous quelque chose à nous dire? Cette maison est restée vide pratiquement 50 ans. S'il vous plaît. Pourriez-vous nous donner un de nos prénoms, s'il vous plaît? Pourriez-vous nous donner un de nos prénoms, s'il vous plaît?
Y'a quelqu'un? Descendre la température, s'il vous plaît. Ici, j'ai des petits boutons verts. Pourriez-vous les faire descendre vers la gauche? Donc par ici. Ou alors vers la droite. Voilà. On a une réaction. C'est ça. Donc vous faites descendre la température. Pourriez-vous la faire redescendre encore d'un cran, s'il vous plaît? Donc ici, évidemment, c'est l'alarme qui vient de sonner. Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire redescendre la température jusqu'au numéro 2, s'il vous plaît? Il y a un point, je suis. Et aussi que ce soit le vent que les avions provoquent. Hein. Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire redescendre la température? Après, on a une réaction. Bien. Merci beaucoup déjà pour cette petite réaction de l'appareil. Je ne sais pas. En fait, si c'est vous, merci beaucoup. Avez-vous un message? Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire redescendre la température? Cet appareil, ça va nous permettre un peu de... Merci, hein, merci à vous. Je vais laisser... J'ai l'autre appareil qui tourne, ça va nous permettre de vous entendre, mais pas en direct. Si vous avez un message, vous pouvez nous laisser. Par contre, nous avons très bien compris quand un de vous nous a dit de partir. On va respecter votre demande, mais pourriez-vous... Pour cela, s'il vous plaît, je vais mettre une petite lampe de poche à terre. Voilà. Comme ça. En fait, il suffit que vous appuyez derrière, rien derrière la lampe de poche. Voilà, comme ça. Pour l'allumer. Si vous voulez qu'on parte, appuyez sur l'arrière de la lampe de poche. Si elle s'allume, eh bien, nous partirons.
il vous suffit juste d'appuyer sur l'arrière de la lampe de poche. S'il vous plaît, pourriez-vous le faire? Pouvez-vous appuyer sur l'arrière de la lampe de poche? S'il vous plaît. Si vous le faites, nous partirons. Je vais essayer de voir pour voir si elle est bien. Ouais. Donc en fait, regardez mon doigt. Voilà, je frôle la lampe, elle s'allume. Donc on va peut-être qu'on devrait peut-être s'écarter. On est peut-être trop près. Donc voilà. Voilà. Oh, pardon. Donc je vous demande d'appuyer juste derrière cette lampe de poche pour la faire allumer et ça voudra dire que nous devons partir. Voilà, nous attendons. Alors s'il vous plaît, pouvez-vous le faire? Prenez toute votre énergie et vous appuyez sur la lampe de poche à l'arrière comme j'ai fait. Vous poussez un tout petit peu dessus et la lampe va s'allumer. Ça veut dire partez. J'ai les oreilles gelées. Les doigts. Les doigts? J'aurais bien aimé qu'ils allument la lampe, mais apparemment ils ne veulent vraiment pas collaborer. Parce que en fait, ça va Mike? Ouais. Il est très enrhumé, en plus il fait froid. Donc en fait, ici apparemment, on n'a plus entendu partir, clairement. Ici on ne veut pas collaborer avec nous. Hein. Comment? Ce qui me donne très envie de le faire. Oui, on va le faire. Voilà. Bon, c'est ce qui. Donc, c'est ce qui va clôturer donc l'enquête, la première partie de l'enquête de nuit dans ce domaine. À vrai dire, ça va un peu mieux que tantôt, mais si, tout près de la maison, je ne me sens pas trop rassuré. Non, hein. Donc, je vous ai dit, on sent vraiment à côté de cette maison. Quelque chose qui on a vraiment l'impression que on aurait tendance à nous repousser à remonter le chemin. C'est ce qu'on va faire. Donc malheureusement la lampe de poche ils veulent pas collaborer, c'est bien dommage. Je vous remercie quand même de nous avoir accueillis à l'entrée de votre domaine. Nous vous souhaitons de trouver la paix, la sérénité. Si vous voyez une lumière, bien n'ayez pas peur de la lumière, vous pouvez y aller, y entrer, vous allez retrouver tous vos amis, famille, ils sont là en paix. Je vous invite à rentrer dans la lumière ou à passer à l'autre côté du mur, du deuxième mur, parce que si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes toujours coincé ici. Donc voilà. C'est ce qui va clôturer donc la première partie de l'enquête du domaine, ici que je ne dirai pas le nom. Malheureusement, la partie de l'église, cimetière et château et la chapelle, en fait, que j'ai filmé tout à l'heure, parce que si vous vous rappelez, il y avait la dame qui était en train d'écouter en fait ce que je racontais. Alors, je ne voulais pas non plus qu'elle soit au courant, cette dame qui était derrière moi et qui écoutait à sa barrière, à sa clôture.
je voulais pas qu'elle sache en fait que, j'étais au courant que la chapelle, en fait, c'est la crypte du château. Donc tous les membres de la famille sont enterrés dans cette chapelle qui se trouve dans le bois. Et je ne vous cache pas que avec les jeunes, on y avait déjà été. Et je vous assure que rien que de monter l'escalier, on ressent vraiment quelque chose de malsain. Alors, est-ce que c'est l'eau qui fait ça ou quoi? Je vous ai parlé des bruits de chiens, comme s'ils étaient essoufflés, on a l'impression qu'ils sont à 2-3 mètres de nous. Tout ça, je l'ai vécu avec eux. Merci d'avoir suivi l'enquête avec nous. Je vous invite à liker ma page PIL Paranormal Investigation Liège. Et si vous avez des questions ou si vous voulez prendre contact avec nous, ben faites-le via Facebook ou YouTube sur notre chaîne. Voilà. Eh bien, merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne fête soirée. Voilà, j'espère que ça aurait été concluant pour vous, enfin satisfaisant d'avoir visionné cette vidéo. Je vous remercie déjà d'avance d'ailleurs. Je suis moi personnellement satisfait de la réponse du pilote, du lieutenant Peter. J'ai oublié son nom. Enfin, je le remercie encore une fois. Et voilà. Eh bien, à la prochaine, je vous tiens au courant. Et voilà. Dès que nous avons fait la deuxième partie de l'enquête, eh bien, je vous informerai via la page de PIL Paranormal Investigation Liège. Voilà. Bonne soirée à vous. Au revoir.